fin de ce combat final, Buddy le racontera dans une lettre un an plus tard que voit ici. « 10-11-62, je veux t'écrire cette lettre en direct d'une cage, dans un trop grand magasin, c'est Noël. Et dehors il neige, comme il neige dans mon esprit et dans mon cœur. Je meurs, j'ai faim, je suis fatigué, les yeux cernés et oppressés sans toi sur lit. Mon meilleur ami, ouais, ça fait si longtemps qu'on est séparés, toi et moi de l'autre côté de l'Atlantique. Ouais, ouais, ça fait si longtemps qu'on est séparés, ouais. Ça fait si longtemps, ce 9 juin 1961, dans la montagne russe à toute vitesse, où je te projetais sur le ballon volant du voleur d'argent, et où des lumières volantes, violentes, passaient devant nos yeux, semblables à des films de William Klein, ouais, ouais. Quand on était, ouais, nous avions refait, je me souviens, la figure qui nous avait sauvé d'un ouragan quand on était gamin, ouais, des bambins, y'en a là où je suis, ouais, ouais, à pas, y'a pas que des rats, non, ouais, y'a pas que des mignons non plus, non, j'ai remarqué qu'il y avait les rats des rues qui ont failli nous faire mal au cul-cul, et en plus, un tournoi de combat d'animaux a été organisé. Sache que je passe contre eux. D'ailleurs, je me rappelle comment sur le toit de ce ballon flottant dans les airs qui était alors le toit du monde, ouais, tu avais risqué ta vie contre Perceval Muldown. Il était tombé, il avait une griffure au nez. Je sais pas où il est lui, je sais pas où il en est lui. Ce que je sais, c'est que je vais tomber un de ces quatre. Sache que, ouais, j'ai toujours la photographie où on est tous les deux. Ouais, je la regarde chaque jour. Ça me permet d'oublier un peu, ouais. Car quand je l'observe pas, je pleure aussi. Et j'ai peur de ce bruit, de ce froid, de cette bouffe qui me rappelle celle du self, de ma traumatisante école. Ouais, tu sais, mes années d'harcèlement. Je crois que je t'en ai pas parlé, non, t'inquiète pas, je te le raconterai. Je te le raconterai si on se revoit. J'espère d'ici là que j'aurai pas perdu ma nature de rêveur. Les propos politiques, j'en passe, ouais, j'en pense, mais de trop y penser, ouais. Ça fait que tu deviens trop politisé, et trop politisé égale trop tristouné, pas naturel. Je sais pas ce que ça va devenir. Peut-être vais-je finir dans un lit d'hôpital, entre la vie et la mort, avec ma respiration, ouais, de faible fortiche, les yeux fermés. Parfois, tu sais, en ce moment, quand je l'ai fermé, ouais, quand je les ferme, je rêve à un pays vert, sous un coucher de soleil ou un lever de soleil, un monde rural paisible. J'aime pas les arbres sans feuilles, je préfère voir des marguerites évoluer. Je remarque que sur certains points, j'ai pas évolué, non. Je pense au fait que je m'intéresse à des petits détails sur lesquels j'ai des objectifs difficiles, pas si inutiles que cela. Ouais, les autres animaux me regardent et se moquent de moi. Et moi j'essaye d'être imperturbable, à fond dans mon art, mais je pleure quand même. C'est pour me questionner ou bien pour tenter de voir un rayon de soleil que je regarde vers le ciel. Car souvent j'ai souvent la tête baissée d'un désespéré. Ouais, je serai peut-être pas un mythe comme Kafka, mais sache que tu es déjà un mythe pour moi. Ouais, et notre mythe à nous deux, c'est notre vie, le parc et les noisettes. Ouais, je me sens soi-même comme un autre. Dis-moi, est-ce que notre temps et notre récit, nos textes et nos actions seront-ils mal interprétés? Je veux dire, la mémoire, l'histoire ou l'oubli. J'aimerais t'embrasser
comme lors de ce soir du 9 juin 1961, je me demande aussi ce que la fille de Perceval et le braconnier est devenu. Ouais, la dernière fois que je les ai vus, ils se prenaient une prise de catch par la fille de Muldown. Bref, tout cela pour te dire que ma philosophie de tout temps fut de me chercher un ami, car nous découvrons l'amitié à travers un miroir de notre existence. Ouais, en fin de compte, lorsque je repense au bon moment en faisant des petites choses insignifiantes qui me rappellent celles qu'on a fait ensemble. Ouais, celles qu'on a fait ensemble. Je me rends compte que j'ai des précieux souvenirs qui m'aident à construire mon existence ou à la reconstruire comme on reconstruit sa vie. Comme on reconstruit sa vie dans un lit d'hôpital. Buddy, je pense à vous tous, Moll, Castor, Feng, Precious, Frankie et toi Surly, mes meilleurs amis. It's alright, it's okay. I don't want